Robert? While y'all doing this stuff, I had to pee and now I'm fucking penis, bro. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien, bien. Aujourd'hui nous allons parler de R. Kelly. Donc comme vous savez, R. Kelly est allé en prison depuis un certain moment suite aux accusations concernant les agressions d'ordre sexuel à l'encontre des mineurs. Donc il est incarcéré, je vous dis en prison depuis un certain moment que sur certains... Son procès se passera en septembre. Alors, il y a des rumeurs qui comme quoi que R. Kelly était libéré de sa prison à cause d'une photo. Bon, je vais vous expliquer le tout. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous êtes ancien, vous savez quoi faire. Likez, partagez et on se revoit juste pour la suite. Alors, comme vous voyez cette photo, c'est la photo qui a fait courir des rumeurs comme quoi que R. Kelly a été libéré. Bon, en réalité, c'est une photo, une ancienne photo de R. Kelly prise, prise pendant qu'il partait répondre aux convocations des instructions des juges avec son avocat. À ce moment, il n'était pas encore arrêté. Donc, c'est une photo, une ancienne photo. En réalité, on a juste fait ressurgir, juste pour faire le buzz, comme quoi qu'il était libéré. En réalité, R. Kelly est encore enfermé, donc en prison, en attendant son deuxième procès qui se passera ici en septembre. Voilà, c'est tout ce que j'allais à vous dire concernant le sujet de R. Kelly, sur des rumeurs qui couraient comme quoi que R. Kelly était libéré de la prison. Donc cette rumeur est bel et bien fausse parce que R. Kelly est toujours en prison. Voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Toujours, si vous êtes ancien, likez, partagez. Et n'hésitez surtout pas aussi à me contacter sur Instagram. Ça me fait plaisir de voir vos messages. Je reçois parfois des messages de certains. Ça me fait toujours plaisir de voir vos messages. Et prochainement, je vous réserve des bonnes surprises. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? On se revoit donc pour très bientôt. On dit le dernier mot de la fin. À ciao! À bientôt.